en plus qui revient avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais envie de faire depuis très très longtemps et c'était un thème que j'avais très envie de lancer. C'était tout simplement que je vais essayer à travers plusieurs vidéos de vous motiver. Alors le plus souvent ça va être basé sur des citations motivantes, des histoires avec une morale à la fin qui sont vraiment mais vraiment vraiment géniales. Et sinon ça va être tout simplement avec mon expérience personnelle de ce que j'ai vécu et comment je peux vous motiver quoi. Aujourd'hui pour lancer cette première vidéo de ce premier thème, j'avais envie de vous raconter une histoire d'un prof et de sa classe d'élèves où comme vous avez pu voir dans le titre, vous êtes extraordinaire et ça c'est vrai, c'est absolument vrai, vous êtes vraiment extraordinaire. Donc je ne vais pas plus vous faire attendre et je vous souhaite une très bonne vidéo, donc bon visionnage. Un professeur veut donner une leçon de vie à ses élèves, il prend alors un billet de 50 euros. Le professeur demande « Qui aimerait avoir ce billet? J'aimerais le donner. » Toutes les mains se lèvent soudainement. Soudainement, le prof froisse le billet avec force et il demande « Qui veut maintenant ce billet de 50 ?» Toutes les mains restent levées. Soudain, le prof jette le billet par terre, le froisse et le recouvre de poussière autant que possible. Les mains restent tout de même levées. C'est alors que le professeur dit « Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon. Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voudrez toujours, sa valeur n'a pas changé, c'est toujours un billet de 50 euros. » En fait, ce billet, c'est vous. Plusieurs fois dans la vie, vous serez froissé, rejeté ou souillé par les gens ou par les événements. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien, mais en réalité, votre valeur n'aura pas changé aux yeux des gens qui vous aiment. Rien ni personne ne doit vous faire croire que vous ne valez rien. Vous êtes extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai réussi à te redonner de la motivation ou même si ce genre d'histoire t'a plu et même si ce genre de thème de vidéo vous plaît. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé à la tourner, à l'écrire et même à beaucoup réfléchir. Mais je voulais vraiment lancer ce thème de vidéo pour aider tout simplement parce que voilà, moi je veux aider les gens, tu vois, un truc comme ça. Et je suis sûre que ça peut faire beaucoup, mais alors beaucoup de bien à des personnes qui manquent cruellement de confiance en eux, comme moi. Ah ouais, je manque confiance en moi. Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est con. Hein. Mais franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À l'écran, vous aurez vu toutes les vraies. Je dis vraies parce que quelquefois, à l'oral, je me suis peut-être trompée au niveau des paroles. Mais vous aurez les vraies paroles marquées en sous-titres. Et donc voilà, quoi. Et ainsi que la source. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si ça t'a plu. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Bibi en plus. Je vous remets les studios. Salut !